aujourd'hui, je vous emmène sur une balade. La première après la période de longue pause autour du Tourniol. Alors, c'est une petite balade facile pour toute la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'emmène toute une équipe dans cette jolie randonnée qui est pas très longue, elle fait 8 km environ. Et c'est accessible, comme je dis souvent, à toute la famille. Allez, on y va. Bonne balade avec nous. Ça va faire du bien après les 2 mois de confinement où nous n'avons pu faire que 5 km par jour de marche autour de la circonférence de 1 km autour de chez nous. Là, on arrive enfin dans un secteur qui était à 22 km de la maison, mais qui est magnifique. Regardez. Ça, c'est notre retour. Allez, il y a des gens qui montent par là. Des courageux. Nous allons prendre le sentier. Voilà le groupe qui arrive. Avec mon bâton. Alors il y en a déjà qui ont pris les devants. Je fais bien, on est bien. Une petite fraîcheur. Donc tout à l'heure, après avoir fait la boucle comme ça, nous nous dirigerons vers le fond là-bas pour remonter derrière le bois. Pour l'instant, on continue dans ce secteur. C'est beau ici. On a lâché les ados.
des vrais cabris. J'adore ces coins. Pour faire des petites sommes, quand on s'arrête, on n'a plus envie de repartir. Et voilà, après le casse-côte, on repart. La troupe devant. Un planeur. Bon, les filles, Camille. Parce que normalement, vendredi matin, j'ai un entretien. Entretien d'embauche. De débauche. Elle a pas d'amis. Aussi, elle a des amis, elle a des bons. Non, non, c'est pas. Petite femme qui descend.
une belle descente. Il y a pas mal de gens qui arrivent encore. Et voilà la balade qui s'achève tout doucement. On rentre. On est descendu la grande pente. Et maintenant, on se dirige vers le col du Tourniol. Oups, une petite pierre. Même si c'est sur le plat, on peut se casser la figure apparemment. Voilà. Ça fait une belle balade. J'espère qu'elle vous a plu, que vous viendrez la faire, car elle vaut vraiment, vraiment le coup. Je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Bye.